Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer la pose d'un éco-piège contre les chenilles processionnaires. Je vais vous montrer l'arbre. Vous voyez ? En haut, c'est rempli de cocons. Donc là, on descend et je vais mettre l'éco-piège à cet endroit-là. Je le prépare et je vous montre ça. Donc, du terreau, le tuyau de la collerette où les chenilles vont passer, la poche pour mettre le terreau où les chenilles vont descendre, et ça c'est la collerette qui va faire le tour de l'arbre. Une mousse naturelle pour éviter que les chenilles passent entre l'écorce de pin et la collerette, c'est pour boucher. Donc ça se mélange avec de l'eau et c'est du papier. Et après les attaches. Bon ben voilà, j'ai déjà installé la collerette. Il ne reste plus qu'à utiliser. J'ai préparé la colle naturelle. On va mettre tout autour, par-dessous, pour éviter que les chenilles descendent. Après, la chenille, elle va descendre dans le conduit et rentrer dans la poche de terreau. Voilà, la colle est faite. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est tout humide. Donc bien entendu, il faut faire ça quand il ne pleut pas. Et on va coller ça tout autour. On finit par la poche. Je vais vous montrer le piège. Voilà l'éco-piège. Avant de vous montrer l'intérieur, n'oubliez pas d'aller mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de partager. N'oubliez pas, maintenant j'ai un compte Instagram, vous pouvez aller vous abonner et me suivre. Je mettrai plein de photos. Je vous montre l'éco-piège. Donc là, on a la poche qui est attachée avec le tuyau qui part de la collerette. Qui rentre à l'intérieur, qui descend dans le terreau. Je vais vous montrer la colle naturelle qui est dessous la collerette pour éviter que les chenilles s'échappent. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérieur vu de dedans. Pareil, dès qu'on voit des trous au milieu de la colle, la descente du tuyau, donc vous voyez, il faut bien le mettre à ras. Voilà, bon ben j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt les Dédés. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne et cette vidéo vous a plu? Vous voulez devenir un petit Dédé? Cliquez sur le petit icône à gauche du téléphone et surtout, n'oubliez pas, les nuisibles y sont partout, mais il y a toujours une solution pour les détruire. Dédé Frelon.